Entrez, c'est ouvert. Je suis bien chez Monsieur Brochamp. C'est François Pignon. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Un tour de rein. Quand j'étais étudiant, on faisait des dîners de moches. C'est beaucoup plus amusant avec les cons. Amusez-vous bien, bande de chacals. Et quand vous m'avez dit que vous comptiez publier un ouvrage sur mes petites maquettes, j'ai été, comment dire, vous avez changé ma vie, monsieur Brochamp. C'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bon, c'est quoi son numéro? Il s'appelle Juste le. Il n'y a pas de prénom. Merci. Je viens de vous le dire, c'est juste son prénom. Ça sonne. Je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge. Ah, non, pas l'accent belge. Oui, allô? 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 Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Eh, monsieur Brochamp, ça ne m'arrête pas ce soir. C'est juste, juste. Je suis venu quand même. Pignon! Ouais, alors c'est un failli égalisé, hein. C'est... Oh! Elle est rentrée. François Pignon? Marlène. Marlène. Eh, Lucien, j'ai dit aller les verts, hein. J'ai dit, allez les verts. C'est 47 rue de l'université. Troisième gauche. De suite. A tout de suite. On a gagné, monsieur Corner. Un con qui, en moins d'une heure, amène ta femme à l'adultère et trop contrôle fiscal. C'est prodigieux. On est con. Con. Et 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, con caduc ou con débutant. Il y avait un bibelot là. Verse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière. Verse, vieux con des neiges d'antan. Mais quel con, mais quel con, mais quel con, mais quel con.